En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, M. Van der Dendur, le fameux négociant, » répondit le nègre. « Est-ce M. Van der Dendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. » On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le droit, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs ou noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. « Oh Pangloss !» s'écria Candide, « tu n'avais pas deviné cette abomination. » En effet, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Qu'est-ce que l'optimisme disait Cacambo. Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Et il versait des larmes en regardant son nègre. Et en pleurant, il entra dans le Suriname.